Ah, bonjour à tous, c'est Tekamon, on se retrouve dans le royaume de Tekamster, en bonne compagnie sur Twitch. Le bonjour à Sir Lancelot, que je n'avais pas encore vu. Je redis bonjour à Mysterio276, à Nyakuro25. Nous avons également la présence de Cieline Lightburn. J'espère que tu vas toujours bien. Et on joue à Kingdom and Castles, le royaume de Tekamster. Je vous expliquais pourquoi précédemment le royaume était immense, pourquoi ça lag. Et je laisse le brouillard parce que sinon, ouf. Et nous en sommes à la dernière cité du royaume, la cité de Théo, The French Protogène, un des followers, qui veut poser son ambassade pour son empire. C'est du RP, on est là pour rigoler et on lâche la pause. On vient de subir un raid du viking, on a encore 4 ans de pause et 8 ans pour les dragons. Très bien. J'ai un grenier, bah on fait pause tout de suite. Et on va dire pareil là, je veux 400 de pierre, 300 de bois. Ça m'arrive à 700. 200 de charbon, 900, et on va dire 90 d'outils, le reste on veut pas. Voilà, je configure comme ça, c'est de l'utile et de l'agréable, on relâche la pause. Alors, il faudrait penser à la nourriture, mon cher Tech. La nourriture, sachant qu'on a du bois ici, on pourrait commencer par ça. On va mettre des forestiers, on a besoin de bois. On n'a vraiment pas le choix. On va en poser un deuxième ici. J'ai même pas pris le temps. Alors, je ne pose même plus la question. Est-ce qu'on fait un puits? Ouais. Je mets plus de route. On m'a dit pour les forestiers, il n'y a pas besoin de route. Possible. On va tester. Un puits entre les deux, ça serait pas mal. Voilà. Donc ça, cette belle route qui relie les cités, c'est la route royale, évidemment. Alors, on a tout à faire. C'est vrai qu'on pourra avoir un côté artisan. Et tout de suite ici, la belle cité. Ou même mieux. On va commencer à mettre de la nourriture. Parce que sinon... Bonjour les soucis. Ouais. Deux moulins ici, ça me plaît. On va démarrer comme ça. Un petit spot agricole. La cité va être grande. Ouais. Vu le temps que je mets à construire et à choisir les icônes, ça me conforte dans l'idée que... ça risque d'être la dernière session. J'ai rien dit. Hein. Il y aura sûrement un autre live encore pour conclure. Allez, ici, en place. On va mettre les archers même plus haut. S'il n'y avait pas le nuage, ça serait parfait. Est-ce qu'on peut enlever les nuages, tiens? Pour être tranquille pour la fin. Ah! Plus de nuages. Voilà. Alors lui, il s'installe, il stack, c'est parfait. Plus de nuages, mais c'est le bonheur. On va laisser, comme d'habitude, nos fantassins devant la porte de la cité. Voilà. On a un entrepôt, un bateau qui amène ce qu'il faut. On va voir ça. Est-ce qu'on peut encore faire un autre moulin? Ensuite, on va faire... Ouais, c'est bien. Tout autour du grand réservoir. Hop. Alors il y en a qui optimisent, hein. Ils collent plein de moulins et c'est pour des bonus cumulés, mais je préfère quelque chose de décoratif quand même. Maintenant on va faire des fruits, on va faire des vergers. On va leur amener un petit truc sympa. Et pour le stockage, on va aller en agronomie toujours, agriculture. Le stockage, grand stockage de production. Bon, on a un tout petit peu, mais on va mettre un ici. Et c'est pas mal. Pour démarrer la cité. Pour être serein, on va également faire quelque chose. On va mettre une petite bibliothèque pour le bonheur, mais ça va venir. Bon, est-ce que c'est utile ici? L'impact est très léger. Au moins mettre un médecin. Déjà, on va commencer avec un médecin. Lui, il va se promener. Et ce que je pourrais faire, c'est mettre une petite maison pour démarrer. On va aller chercher la maison dans le mode. New House, la maison toute petite qui donne quand même 10 pièces d'or. 10 pièces d'or, il a collé au grand réservoir. Voilà. Et ça, c'est bien. On a une taverne. Je pense qu'on a un très bon pattern. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire un truc simple aussi, de ne pas mettre de ponton. On peut pontonner, faire des choses droites. Mais c'est pas le but dans ce jeu-là. Je me suis imposé des contraintes dès le départ, vous le savez.
On va faire une forteresse propre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ce clic. On va pas détruire ça. On va fermer le port, on va le protéger. On a les outils qu'il faut. Donc c'est le 51e épisode aujourd'hui. On est bien et on travaille sur ta cité Théo. Alors je suis navré, hein, t'es pas là ce matin, c'est aujourd'hui que je pouvais. Mais tu me rattraperas par tes remarques, tu me feras des commentaires pour YouTube et puis je verrai ça. Hop, on va fermer ici. Ouais, il y a un retard. Et j'avais pontonné là. Si le jeu veut bien obéir. Désolé pour la souffrance. Et on va en maritime. On va prendre des portails. Et on va fermer l'entrée du port. Ça c'est fait. Et on va être courageux, on va essayer de cloisonner là aussi. C'est urgent. Il n'y a pas le choix. Ah, je sens bien que le jeu va vraiment pas obéir. Alors, avec la molette de la souris, je peux changer un peu l'orientation. On va se mettre comme ça. Et on va jouer au Lego. Là, je suis en pleine souffrance. Je vous regarde pas dans le chat. Hein, je suis désolé. Et j'en ai oublié un petit. Ici. Oh là 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 là. C'est vraiment l'horreur. Bon, on va y arriver. On a un petit coin défense. Je pourrais caler un pompier là. Il va nous falloir installer un maçon. Je crois que dans ta cité, Anya, j'ai mis deux maçons tellement elle est grande. Ah ouais, on a vraiment le retard. Hop, je clique. Je lâche pas. Ça vaudrait le coup de faire un ponton ici quand même. Pas faire quelque chose de moche. Une petite touche quand même. Un peu de confort. Et on va monter le rempart encore. Est-ce que j'ai accès? Oui, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Les archers descendent, ils n'ont pas le choix. On va finir la route ici. Ouais, on va se mettre un pompier professionnel. Alors les pompiers, c'est dans la ville. Pompiers. On va en caler juste ici. On va vérifier qu'on a bien une bonne irrigation incendie. Pas tant que ça. Ici, ça va pas. Mais le grand réservoir qui est immense, lui, mène de l'eau. Il emmène de l'eau jusque là. Donc là, on pourrait coller un petit réservoir. Même un beau réservoir. On va se faire une belle fontaine. Allez. Et on va longer le rempart. Vous résistez, ça va? Ouais, bah oui. Il faut, parce que là, on va longer tout ça. Et incroyable. C'est déjà Nelson. Mais il est quelle heure, mon Nelson? Bientôt. Le chat de l'espace est descendu. Donc la cité, bah, les bobies viennent de tout le royaume. Ça commence à s'installer. Enfin, à s'installer. J'ai qu'une maison en construction. On va en faire plusieurs. On va amener du monde tout de suite. Alors là, on a quoi? 20 habitants pour pas d'argent. 35-40 habitants. 100 et 60 habitants, évidemment. Évidemment qu'on prend les appartements. Là, je ne peux pas trop. On voit les cheminées là. Et près de la taverne, ce serait plus stylé. Allez, les appartements, 100 bobies pour démarrer une cité. C'est vachement bien ce mode. Et nous, on va nettoyer ça. On va enlever toute cette forêt. Ouais, carrément tout. Voilà, les ordres sont donnés. La nourriture est en place. Il me manque un grenier. Histoire d'être bien. Alors, comme on a l'entrepôt là-bas.
Est-ce qu'on a le temps de faire les greniers ici? On va le mettre par sécurité là, on verra. Est-ce que j'ai moyen de faire une route? Non. À moi de faire attention. Mais du coup, ils amènent les récoltes dans le port. C'est un moyen de stockage comme un autre. Et c'est pas mal. On est en l'an de grâce combien? D'ailleurs, ça tourne peut-être. 586. Bon, tout va bien. Le tech n'a plus de café, par contre, ça va un peu moins bien. Côté défense, ça monte. Ça monte. Je les stresse pas encore, mais il va falloir qu'on fasse une douve. Qu'on se protège. On va devoir couper là aussi. Et comment je vois la douve? Parce que les drakkars, ils vont venir. Ça va être l'horreur. Le cimetière est ok. On va combler le trou. Voilà. Et comme on n'est pas sadique, on sait qu'il faut de l'eau. On va lui proposer un petit puits au cimetière. Voilà, alors là du coup, la cité... Regardez-moi les gens qui viennent. La cité de Théo est en plein essor. Tout le royaume est venu aider. Des tas de boubis portant du bois, de la nourriture. Un chat qui miaule, c'est vraiment vivant. Le gardien de cimetière, salut mon gars. Y'a encore personne pour l'instant? Non, c'est bon. On est bien. On prend un peu d'altitude. Et on peut apprécier le lieu de stockage. Le charbon est arrivé en masse. Ah, c'est une bonne nouvelle. Les pompiers et la fontaine au loin. La taverne du chat qui fume. Méfie-toi, Nelson. Et la place des fêtes du royaume de Tecamster. Alors, la taille des réservoirs qui est énorme, comme les tavernes, c'est dernier patch, industrie et quoi, je ne sais plus, où on a des tailles supérieures, c'était récupérer des mods, il était vraiment temps, les joueurs avaient demandé. Bah c'est cool. On va commencer à travailler, on va mettre une autre tour ici. Je pense qu'on peut en mettre une ici, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre une arbalète pour les dragons. Voilà, il y a une zone où on ne peut pas atteindre, mais de loin ils pourront tirer. Au moins pour les dragons noirs. Un archer pour les vikings. Voilà. On va travailler l'autre rempart, mettre un feu grégeois, une autre tour, et on va faire les douves. Si tous les boobies viennent, ça ira très vite. Pam pam, pam pam. Voilà, deuxième rangée. Trois rangées en général, ça va. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des tours très très hautes. Il en faut pour tous les coups. Alors, le feu grégeois. Il me manque des outils. Hop, je les ai. On le met devant l'entrée de la porte. Ça coûte très cher en entretien. Non, ça me semble correct. Comment ça se passe, l'appartement ? Il manque plein de bois, mais ça tombe bien, on en coupe. Alors ça, par contre, c'est l'utile à l'agréable. Ouais, Nelson a le faim, et il faut pas dire le mot, hein. Attention, Anir, faut pas rigoler avec ça, parce que j'en ai un qui est derrière moi, et le troisième rôde derrière, il marche. Les carottes sont cuites bientôt. Il y aura la pause café tout à l'heure. Pam, 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 pam. L'univers! Et l'hiver, avec les bobies surtout. Et comme on est heureux dans le royaume de Tecamster... Oh, regardez-moi cette carte postale, on dirait un tableau hollandais. On va faire un peu d'ambiance, on va leur dire que l'empereur est heureux. L'empereur Nelson fait la fête. Moi je ne suis que le roi Tecamon. Est-ce qu'on a toujours autant de pierres? Comment ça se présente? La caméra. On en a dans le port, donc c'est pour ça que ça se construit très bien. On a bien fait le relais. Attention, les vikings, ils attaquent la cité d'Anyakuro ou ils attaquent la nôtre? J'ai peur. Anya, j'ai peur. Oh, puis j'ai pas fait tellement de défense là. Allez, vas-y. Wouah!
Le petit raid qui passe devant ta cité, ma chère Anya. Ah bah regarde les catapultes. Exactement ce qui m'embête. Bon ça va, il passe comme ça. On va peut-être monter un peu les murs, hein. Ça commence à puer un peu. Oh, par contre, va monter ça, t'as vu. Là. Mais d'ailleurs, j'ai une faiblesse ici, je devrais faire un ponton. C'est un passage pour les bobbies, enfin les vikings. C'est assez grave. J'avais pas vu ça. Il faut fermer ici en urgence. Alors, on va mettre tous les travaux, comme ça je m'en souviendrai. Donc les vikings se sont divisés en deux. Du côté de ta cité Anya, et ils sont du côté de la cité La Pierre, qui fait son rôle de défense magnifiquement bien. On va aller les voir. Voilà, on va laisser bosser. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ils ont accosté. Le piège a fonctionné. Ouais. C'est pas comme s'il y avait un feu grégeois devant l'entrée du port. Si, regarde, les bateaux. Oh, c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique. Ça, on aime. Et on plonge en cinéma. Avec Sinbel Spielberg. Oh là là. La belle cité d'Anya Koro. Attends, ils ont défoncé la porte d'entrée ou quoi? Ouh, j'ai peur. Pause. Oui, alors les portails maritimes sont pas très solides. C'est le problème. Il va falloir augmenter les défenses en toute urgence. Ah, c'est pas assez. S'ils rentrent, ça va être la défonçade. Alors... Ah, c'était en bois. Mais non, non. Voilà, on va forcer un peu la défense. On va faire une belle tour en éperon. Et on va mettre des archers. Pour bien défendre l'entrée du port. Donc à chaque attaque, je corrige comme ça. C'est bien pratique. Salut Saphira, tu t'es réabonné. T'as pas vu la notif? Je ne sais pas du tout. Je ne gère pas ce genre de choses, je peux pas te dire. J'espère que tu vas bien. En tout cas. Anya, pareil. Ah bah je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une mise à jour de Twitch? Bon, les douves, hein, vous voyez le fonctionnement, nickel. Là, ça se passe bien. On va les laisser tranquilles. On va voir la cité La Pierre, comment ça se présente là-bas. Des vikings traversent la forêt. Ouais, j'ai une petite tour là pour défendre un peu les charbonniers. Bon, évidemment, il y a beaucoup de morts. Mais on a un piège. Est-ce qu'ils vont aller jusque là? Il y a la cathédrale qui les attend. Bon, ils se divisent encore. Ils vont aussi à la cité impériale, à la capitale. Ça se passe bien. Ils se font griller comme des saucisses. De l'autre côté du royaume, tous les drakkars s'en vont. Les bobbies réparent. Et eux, ils vont se faire piéger dans la forêt. On a perdu qu'un portail. Nous sommes en l'an 589. Tout va très bien. Réactiver dans la console Twitch. Ah bon? On regarde après alors. Si j'ai loupé un truc. C'est vrai que ça fait un, tu t'y connais mieux que moi là-dessus. Mais j'ai pas fait de notification. Tu veux dire quand on lance le live, normalement on a une notification. D'accord, je fais juste sur YouTube. À la mano. Bon, puis là c'est le mouroir. Là. Les vikings, c'est la fin. J'ai pas fait de douve ici, tiens. Ça pourrait se faire ici. Hein. Ça craint un peu. On va lancer des douves de protection. Château.
Ça coûte 30 pièces d'or. On a beaucoup d'argent à dépenser. Ça tombe bien. Voilà, on va dépenser un petit peu d'argent. Par contre, ça va où, ça? Ok, il faut pas que les bateaux viennent. Donc, on va faire une douve, mais pas jusqu'au bout. Voilà. Juste comme ça. Et la cité est protégée. C'est bon. On n'a pas eu de dégâts, hein, franchement. On revient vite fait chez Anya pour un défaut de construction. Il n'a toujours pas fait le ponton. On va les laisser faire. Chez Théo, The French Protogène. Ça commence. Si, si. On va d'ailleurs faire l'autre tour ici. On va en profiter tout de suite. Est-ce qu'il veut bien monter? Je vais doucement. Allez, on va mettre une autre tour d'archer. En fait, rien que l'appartement qui remporte 100 pièces d'or, ça va payer les défenses. C'est bon, c'est dessus. Le temps que ça se fasse, on va aller voir ta cité, Saphira. On va remonter dans le nord du royaume, tout en haut. Et chez Saphira, ça va. T'es en défense totale. Vraiment peinard. En plus, tu grilles des petits bateaux qui passent, mais ça fait aucun dégât. C'est du gâchis, le feu grégeois, là. Ça coûte cher pour ce que c'est. On n'a pas de chômeurs, mais en fait, on a plein de maisons. On a presque 7000 habitants qu'on pourrait avoir, et on n'a que 6400. Donc, on a un problème de guerre. On a eu la peste. On va faire la fête dans toutes les villes. On va cliquer dessus. On va dépenser des thunes. Et c'est la fête dans tout le royaume, normalement. Voilà. On a une cité ici. Alors, je fais ça de très loin, de très haut. C'est plus facile pour moi. Voilà, je ne sais pas à quel endroit il manque des gens. Pourquoi? Voilà. Ça, c'est bon. Ici, c'est juste les mines de fer. Il n'y a pas de salle des fêtes. Par contre, ici. Attention, vomis, hein. Accrochez vos ceintures. On va refaire la fête aussi chez toi, Anya, parce que c'est une très grande cité. C'était la dernière grosse cité qu'il y avait du monde. On va dépasser les 7000 habitants, j'espère. Où est la salle des fêtes? J'en ai une là. Une place des fêtes. Ça, c'est bon. Je suis sûr qu'il y en a une deuxième quelque part. Ici. On est à la capitale. D'ailleurs, on a le donjon de Tekhamster qui se porte bien. Mes conseillers n'ont rien à dire. Pas assez de stockage. On fait du bon boulot. Et fortifier. Très bien. Écoutez, j'ai pas besoin de vos conseils plus que ça. La dîme pour l'église. Et je voudrais continuer à faire la fête dans la capitale. Parce que là aussi, je suis sûr qu'il manque des gens. Alors voilà, on se met dessus. Et on cherche un carré. Il est là. Derrière le donjon. Impec. L'extension de la capitale, il doit y avoir aussi. Ouais. On va aller à la cité cochonne. L'élevage de cochinou. Peut-être fait beaucoup de cochons, hein, quand même. Je sais pas. Je sais pas pour vous, mais... Il y a du porcinet dans le coin. Est-ce qu'on va voir qu'ils vont se faire tuer pour faire du jambon? Et la sorcière Saphira, oui, elle est toujours là. On lui a fait plaisir dans l'épisode précédent. Elle voulait du bois pour faire des étagères. On lui en a envoyé 250. Elle a de quoi faire pour un petit moment. Et voilà. Alors l'astuce des fêtes, ça devrait aider quand même. Il manquait tellement de bobies. On est remonté, regardez, à bientôt 6900. Mais oui, je vous aime, le petit chat. 5 minutes. Heureusement que les followers se frottent pas contre mon épaule en ronronnant, parce que sinon, ça n'irait plus. Bon! On a dit qu'on laissait pour l'instant la cité de Théo. On va laisser le temps que faire. L'appartement, on va pas le stresser. Si on peut donner un dernier ordre quand même. On va amener les bobies bosser de l'Empire, du Royaume. Et on va faire des douves là aussi. On va défendre contre les petits vikings. Et comme c'était pas une mer intérieure, pas protégée, on va surtout faire attention de pas prendre ici. Sélection. Voilà.
Dernière ordre pour la cité Théo pour l'instant. On va laisser pousser. Oui, Nelson. C'est bon. On va retourner voir ta cité Saphira, du coup. Il faut que je travaille dessus un petit peu, les dernières minutes. La sorcière, elle est cachée. Oh, mais il y a une quête. Point d'exclamation. Voilà. J'aurais pu l'intégrer dans la ville, hein. Alors, nourriture instantanée pour les paysans. Je commence à manquer de nourriture. 281. Mais oui, c'est une bagatelle. On est devenus amis pour toujours. Il y a une histoire de réputation quand même. On en discute dans 7 ans. Ça marche. C'est vrai que la peste, j'aurais dû y penser. Vague d'antibiotiques. Comment ça, il y a encore de la peste là dans le coin? Ah, j'ai même pas vu le message. On y pensera la prochaine fois. Alors on a travaillé un peu la nourriture chez toi. Comment ça se présente? Ça a l'air d'aller. Le grenier, est-ce qu'il remplit? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça va être le quartier agricole ici, on a dit quand même. Un peu plus de blé. On peut encore faire 2 champs. Sinon, ça fera beaucoup de bobies sur les routes pour amener ce qu'il faut. Et on a encore de la place pour faire des vergers. Surtout qu'on a le bonus d'irrigation. On va en profiter. Voilà, le petit côté agricole protégé. Les Vikings adorent foutre le feu là-dedans. Les dragons aussi. C'est assez bien fait, en fait, hein, le codage. Une fois qu'on connaît les scripts, ça baigne, quoi. Donc ça, c'est beau. Je sais ce qui manque dans ta ville, Saphira, des statues. Déjà ici, on a une petite place à l'entrée de la cité. Les gens arrivent par où? Par ici. On va faire un peu de statues. C'est petit, ça, un chevalier. On va voir un peu ce qu'il y a de grand. Près de la zone agricole, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La gargouille, gnome, poisson, obélisque, monolithe. Dame majestueuse, le lion couché. Alors c'est vrai que les dragons, par exemple, comme ils s'amusent à tout casser, est-ce qu'on peut invoquer leur protection et qu'ils nous lâchent? Alors ça amène du bonheur par la beauté. Hein. On pourra mettre le dragon là, il va être superbe. On verra après, je pourrais mettre des jardins. Des petites choses comme ça. Mais comme ici, c'est pas très habité, on va aller plus par là. Et là, là, on commence à avoir quelque chose de bien. La place des fêtes. Là, on a une petite place. On va mettre une statue encore. Ou un jardin. Une petite mare. C'est énorme, la mare. Et une petite statue. On va mettre un poisson. On n'est pas loin du bassin. Hop! Alors, ici, on a une belle vue. Plus que côté d'église-hôpital, ça cache tout. La reine de la cité quand même, hein, la dame majestueuse. Elle est petite. Ben non, c'est pas possible, c'est pas une pièce. Ils ont revu les statues, attends. Mais oui, ils ont revu les statues. Ah, la reine Barbara. Je me demande où est-ce qu'on pourrait la mettre pour qu'elle soit bien visible. Ici, ça pourrait être pas mal. Je pense que t'en dis, Saphira. On va essayer de faire quelque chose de propre. On n'a pas besoin de surpeupler les gens. Hein. On est bien, on a 217 chômeurs. Ça va me laisser une idée. Alors, la statue va se faire là. Est-ce qu'on pourrait faire un jardin? Dragon en vue! Mais c'est pas possible! Allez, on va finir là-dessus. Parc.
Voilà, s'il est comme ça. Et après, moi j'adore le miroir d'eau, mais il y a déjà un effet. Rangée de pointes, rangée d'arbustes. Là, ça pourrait être bien et on pourrait mettre quelque chose d'utile ici. Utile. Comme un boulanger. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font les dragons? Ah mais ils servent de saucisson, dis donc. Et de 1. Ah voilà le pire de tous. Les papas, les dragons noirs. Les casseurs de défense. Oh, il en envoie autre tomber. Allez, on va le suivre. Essaye de mourir le plus vite possible avant de faire de la casse. Allez les arbalètes. Alors on est au maximum de dégâts, hein. J'avais fait toutes les recherches. Oh il va pas tenir, il va pas tenir. Désolé mon pépère. Touché. La caméra. Et voilà. Quand on parle de saucisson. Oh, on peut zoomer, ça fait flou. Ça va. Bon, ils ont croqué 10 paysans, mais ça pourrait être pire. Attends, c'est pas la fin. Je pense que cet épisode est arrivé au bout. On vérifie une dernière fois chez Saphira si tout va bien, mais je suis perdu. Non, c'est là. C'est là ta cité. Donc on va juste finir de travailler le jardin. On a mis le boulanger, on a fait ça, la statue, le dragon qui se construit. Et on verra au prochain épisode. Sur ce, je vous dis merci YouTube et Twitch. On se retrouve juste après. A tout de suite.